Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité. Pas de Bible, pas de petit déjeuner. Certains affirment que l'offrande de grains prouve qu'une personne n'a pas besoin du sang versé de Jésus pour être sauvée. Dans leur esprit, les actes de bonté suffisent à sauver l'âme. Ce concept, plus populaire qu'on ne le pense, constitue la philosophie de base des fausses religions du monde. Vous avez peut-être entendu parler de plusieurs célébrités qui ont mené des vies moralement corrompues, mais qui ont changé une fois devenues âgées et conscientes de leur mortalité. Ces célébrités ont commencé à donner généreusement aux autres et même à créer des organisations philanthropiques. À première vue, l'offrande de grains semble impliquer que l'effusion de sang n'est pas nécessaire pour le salut et le pardon des péchés. En y regardant de plus près, on constate que cette offrande accompagnait toujours les autres sacrifices qui nécessitaient la mort d'un substitut. De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, le vin duquel Jésus a dit qu'il symbolisait son sang était offert avec l'offrande de grains. Sans le sang de Jésus, point de salut. L'offrande de grains est donc une autre offrande qui désigne Jésus. Étant motivé par la grâce du Seigneur et par le sacrifice de celui-ci au calvaire, cette offrande ne peut être une exaltation de la tentative de l'humanité de plaire à Dieu, ni un moyen de mériter le salut. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui choisissent de ne pas aller à l'église. Par conséquent, ils n'entendent pas la parole de Dieu prêchée dans le sermon ou partagée pendant la leçon de l'école du sabbat. Pourtant, c'est à l'église que notre foi est renforcée et que notre estomac spirituel fait le plein. La Bible nous met spécifiquement en garde contre l'habitude de ne pas aller à l'église, en particulier à mesure que nous nous rapprochons de la fin des temps. Hébreux 10, verset 25. Lorsque les prédicateurs et les enseignants exaltent Jésus, notre offrande de grains et notre pain, nous faisons l'expérience de la plénitude spirituelle. Chose intéressante, lorsque David était menacé par le roi Saül, il a choisi d'aller à l'église. 1 Samuel 21, le verset 1. Dans la ville de Nob, juste au nord-est de Jérusalem, il y avait un endroit où 85 prêtres habitaient et servaient. C'est là que David et ses hommes ont mangé les 12 pains de proposition qui étaient placés dans le lieu saint du sanctuaire et remplacés chaque sabbat, au verset 6. Ce pain a donné à David et à ses hommes la force dont ils avaient besoin pour supporter le voyage et échapper à leur ennemi. Jésus est aussi notre force. Il est notre pain de proposition, notre offrande de grains spirituels. Vous avez peut-être déjà entendu certains dire « Je ne vais pas à l'église parce que le service ne me nourrit pas spirituellement ». En général, il en est ainsi parce qu'ils ne se nourrissent pas de Jésus tous les jours de la semaine. Imaginez que vous ne mangez de la nourriture physique qu'une fois par semaine. Peu importe la quantité ou la qualité de la nourriture que vous mangeriez, vous auriez toujours faim. Jésus est notre offrande de grains, non seulement le jour du sabbat, mais tous les jours de la semaine. Essayez de mettre en pratique cette petite devise chaque matin. Pas de Bible, pas de petit déjeuner. Prenez l'habitude de vous lever tôt et de vous nourrir de la parole de Dieu avant de faire quoi que ce soit d'autre. Absorbez autant de la parole du Christ que vous le pouvez. S'il vous arrive parfois de devoir manger rapidement, les autres fois, ne vous privez pas. Savourez et appréciez pleinement la présence et la puissance de Jésus dans votre vie, surtout le jour du sabbat. Certains écoutent le pain de vie dans leur voiture pendant leur trajet. Faites donc ainsi et vous ferez l'expérience d'une croissance extraordinaire de votre foi. Remue-ménage, méditez de nouveau Lévitique le chapitre 2 et Lévitique le chapitre 7, les versets 9 à 14. Où voyez-vous Jésus dans ces deux passages? Qu'implique pour votre vie spirituelle l'épisode où David s'est rendu au lieu saint et a reçu du prêtre les pains de proposition? Quel message devrions-nous en tirer? Non. Quel message devrions-nous en retirer? Que vous dit Jésus par ces passages? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.